L'épicerie fine dévoile à travers une escapade gourmande tous les secrets d'une crucifère, le réfort d'Alsace. Cette grande plante herbacée connaît une culture optimale dans cette région connue pour ses sols sableux et humides. Ça a longtemps été, pour les paysans, un moyen de consommer d'abord pour les bêtes, hein, pour les chevaux, pour les vaches. Et puis aujourd'hui, le réfort est en pleine expansion dans cette belle Alsace parce qu'il y a une vraie demande et autour de ce produit, les Alsaciens le mettent vraiment en valeur. La racine, au goût poivré et pimenté, donne du caractère aux petits comme aux grands plats. Il permet, ce réfort, de pimenter, d'assaisonner un petit peu. Ça peut être un peu comme du sel et comme du poivre dans la cuisine. Et de faire donc voyager par ce réfort. Et je dois dire, moi qui suis un passionné du wasabi, le réfort peut remplacer aussi le wasabi. Quand on n'a pas du wasabi frais, et malheureusement on en trouve très peu, le réfort peut faire partie de ces substitutions hautes en couleur. Une fois passée la crête des Vosges, le regard porte loin, sur une vaste plaine légèrement vallonnée. Mais sous le ciel brumeux de l'automne, impossible de déceler la chaîne montagneuse. En cette saison, on pourrait penser que les travaux des champs sont terminés. Pourtant, à Surbourg, quelques agriculteurs alsaciens semblent très occupés. L'objet de leur attention, une racine tentaculaire et méconnue, le réfort. Le mot réfort évoque souvent un fromage. À tort. Il s'agit en fait d'une racine blanche originaire des pays de l'Est et qui s'est installée en Alsace il y a bien longtemps. Emblématique, elle est toujours cultivée par une poignée de producteurs comme Christophe Charenberger. Avant les années 50, à peu près toutes les familles avaient un plant de réfort dans un coin du jardin qui, tous les printemps, faisait des feuilles, se développait et en automne, donc on utilisait là pour le pot-au-feu. Aujourd'hui, c'est une tradition qui est malheureusement perdue. Mais donc, il y a des producteurs qui sont regroupés en coopérative pour développer donc cette culture. Ils sont une quinzaine dans cette petite zone du nord de l'Alsace à produire du réfort. Son nom signifie « racine forte ». Un goût très prononcé, donc, pour cette plante crucifère qui ne peut être consommée qu'après transformation. C'est surtout une plante condimentale, hein, donc c'est comme pour d'autres la moutarde ou le ketchup aujourd'hui. Et moi je dis toujours le réfort, c'est le piment alsacien. Donc c'est une racine qui est très forte, très pimentée. C'est une racine qui contient beaucoup de soufre, que c'est aussi très bon pour la digestion. Ça n'a pas le même piquant comme le piment. Ben, le piment, ça vous pique le tube digestif et puis l'estomac. Par contre là, ça monte par le nez, ça vous prend le cerveau. Hein, donc c'est... Ben, moi j'aime ça. Et ils sont nombreux à l'aimer, même s'il a bien du mal à dépasser les frontières du département. Pourtant son arôme est très connu, sous le nom d'un cousin japonais. Le réfort, c'est très fort. Donc aujourd'hui, faire manger du réfort aux jeunes, ça aussi c'est un peu compliqué. Donc ils connaissent tous le wasabi, et je suppose vous aussi. Donc le wasabi, vous connaissez, par contre le réfort, vous ne connaissez pas. Le wasabi, c'est uniquement le petit cousin qui aujourd'hui pousse au Japon. Et que c'est vert, hein, donc c'est un cousin, le même goût et les mêmes saveurs, les mêmes propriétés. Mais par contre, c'est vert et ça, c'est blanc. Et puis aujourd'hui, manger du wasabi, c'est in. Par contre, du réfort, comme on ne le connaît pas, ben, on a du mal à le consommer. Un vrai défi pour ces agriculteurs qui connaissent tout le potentiel de leurs produits. On lui prête de nombreuses vertus médicinales. Il séduit les grands chefs en France comme à l'étranger. Mais avant d'arriver dans leur cuisine, le réfort doit passer une étape délicate, la récolte. Depuis Paris, Frédéric Jauneau, meilleur ouvrier de France primeur, tout comme le chef étoilé Guy Martin, apprécie particulièrement ce condiment. Alors le réfort, il met du piment dans notre vie, du piquant depuis l'Antiquité. Donc formidable racine qui est très méconnue en France.
Très méconnu en France, sauf nos amis alsaciens, hein, qui la pratiquent, les Vosgiens, depuis un certain nombre d'années quand même. Alors, effectivement, la racine de Réfort, elle remonte donc de l'Antiquité, mais elle prend ses sources sur la mer Noire, l'Ukraine, la Russie, et elle est arrivée, je dirais, dans cette région par les chevaliers teutoniques. Donc voilà, et après il y a une formidable histoire sur le Réfort, c'est que c'était un fourrage qu'on donnait, cette plante potagère, on la donnait aux animaux, aux chevaux. Et on s'est aperçu que ces missionnaires se sont aperçus que les chevaux avaient de la force et de la vigueur avec. Donc ces missionnaires se sont dit, si les chevaux ont de la vigueur, pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? Voilà. Donc ils en ont consommé, les marins aussi ? On a effectivement, les marins au XVe siècle le consommaient beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça servait de condiment et ça avait des propriétés contre la toux, le scorbut, voilà, ce genre de choses. Bon, apparemment, c'est bon pour la santé. C'est très bon pour la santé. Donc, alors, les semis, comment ça se pratique ? Quand est-ce qu'on plante ? À quel moment, après, il faut un petit peu biner ? Il faut quand même travailler C'est un travail de la terre qui est assez fastidieux, puisque moi, je pense que c'est surtout la récolte qui est le plus difficile. Au niveau de toute cette mécanique qu'il faut avoir, le tirage à la main, puisque là on voit que cette partie-là, mais on a beaucoup de petites racines qui sont qui vont se planter dans le sol. Il faut savoir que le Réfort peut aller jusqu'à 1 mètre de long, donc c'est quand même une plante intéressante. Et on mange aussi les feuilles. Et on mange les feuilles, qui n'est pas très courant. Hein. On n'a pas trop l'habitude, mais c'est vrai. On les mangeait plus avant que maintenant, du reste, non ? Ah, c'est une tradition un peu paysanne, je veux dire. Mais moi, pour avoir été en Alsace avec eux, ils m'ont dit, bah, tiens, on va se faire une petite salade le midi. Et on a mangé une petite salade de feuilles de Réfort, j'avoue que... Vous avez pleuré d'émotion ? Exactement. Alors ça, c'est la plante par excellence. Ça fait partie de ses racines, comme les panais, les racines de persil. C'est vraiment, on va dire, de l'automne au début, fin de l'hiver. Hein. En gros, c'est ça, la grosse période du Réfort. Hein. Oui, c'est la grosse période, oui, tout à fait. On est en septembre, octobre, novembre. Et puis, voilà. C'est des plantes, comme toutes les racines, c'est des plantes d'hiver. Et c'est des plantes qui nous donnent la force de tenir contre les intempéries. Contre les intempéries, elle apporte son piquant. Alors, pour bien comprendre, si à la maison, nous sommes 2 ou 4, on achète une racine comme ça, c'est un peu compliqué ? Alors, non, c'est pas compliqué parce que, en fait, c'est vrai que ça paraît beaucoup. C'est pas des racines qui sont très très chères, mais on va pouvoir couper que ce qu'on a besoin au fur et à mesure. Donc, on va prendre un petit morceau, on va le râper. C'est, à mon avis, la meilleure utilisation, mais ça, vous me le direz tout à l'heure. Et puis, le reste, on peut soit le mettre au congélateur ou soit le mettre dans le bas de frigo, même si ça fait, vous voyez, une petite. Si ça sèche gigant. Un peu, bon, bah, on coupe la première tranche. Peut-être un morceau de papier légèrement humidifié, mis dans le bac à légumes, ça fonctionne et très bien. Et ça fonctionne très bien, oui. C'est fait, le vent d'Est est arrivé, tout droit d'Allemagne, glacial. Il a l'avantage de sécher la terre, les herbes, et de faciliter aussi la récolte du Réfort. Christophe et son équipe démarrent le ramassage armé de courage. La racine ne se laisse pas attraper facilement. Donc c'est une machine qui a 2 lames qui soulèvent le Réfort, et en même temps ces 2 lames, elles secouent pour séparer un peu la terre. Par contre, il faut prendre la racine sur la machine et on la sortir un peu, parce que autrement elle retombe dans la terre et puis on la retrouve plus. Sans la machine, on n'arrive pas. Ça, c'est impossible. On peut prendre une bêche ou une pelle, mais après vous n'arriverez à sortir qu'une partie, le reste restera tout dans le sol. Le truc, c'est qu'on ne plante pas la racine verticalement, mais qu'on plante la racine horizontalement, presque en biais comme ça. Parce que si vous plantez tout droit, ben votre racine descendra à 2 mètres dans le sol et vous n'arrivez plus jamais à la ressortir. Ça a été planté, c'est ici, et donc les racines secondaires, elles sont jusqu'ici. Donc vous voyez bien sur la machine, quand on tient la racine, ben on secoue et puis y a parfois cette longueur qui sort. C'est un travail très physique, donc si vous voulez fatiguer quelqu'un, ben vous le mettez là derrière pendant une journée. Le lendemain, il sera calme. Et ce n'est qu'un début. Avancer le dos plié derrière un tracteur n'était qu'une entrée en matière. Il faut ensuite ramasser chaque racine sur le sol retourné, la débarrasser de l'excès de terre et lui couper les feuilles.
c'est uniquement la racine qui est consommée et qui est récoltée. Tout ce qui est feuillage reste dans le champ. Et il faut la nettoyer, hein. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de terre encore autour de la racine. Ben, on a une espèce de faucille là pour nettoyer, pour enlever un peu les feuilles. Ben, on essaye quand même de ramener le moins de terre à la maison parce que tout ce qu'on ramène, il faut à nouveau le sortir. La culture du réfort est au sens propre du terme laborieuse. En moyenne, un hectare demande entre 600 et 800 heures de travail essentiellement manuel. Encore 5 ans, c'est rangé. On fait un peu le compte parfois, parce que c'est simple, on en avait 92 des rangées. 92 à 350 mètres de long, donc il y a 700 plants dans la rangée. Donc il y a 63 000, 65 000 plants. Donc 65 000 fois, il faut se baisser. Il faut ramasser ça, enlever les feuilles, la monter, puis c'est pas terminé. Une racine de réfort, vous l'avez dans la main pendant au moins 4 fois, minimum 4 fois. Ce qui se fait en Allemagne, il y en a en Autriche. Il y a un mec qui a inventé une machine comme une récolteuse à pommes de terre. Et donc on n'a plus besoin de faire ce qu'on fait ici. Mais je crains qu'on n'arriverait pas à sortir le truc parce que la terre chez nous c'est trop collante. Hein. Là vous pouvez faire du pâte à modeler. Hein. Ah, la terre alsacienne. Les hommes y sont attachés. D'ailleurs, à les écouter, on se croirait parfois en terre étrangère. En travaillant ou entre nous, on parle toujours l'alsacien. Chaque village a ses petites nuances. Donc, le charme de l'alsacien, c'est que quand on discute ensemble, ben, on se dit hey, « Toi, tu es de cette patte-là, toi, tu es de ce patte-là. » Et chacun se reconnaît. Et donc, en parlant de l'alsacien, on sauvegarde un patrimoine régional, la langue alsacienne. Et aussi, en faisant du réfort, ben on sauvegarde un patrimoine culinaire. On a coutume de dire ici que le réfort se ramasse tous les mois en R, de septembre à avril. Mais la plupart des producteurs le récoltent à l'automne. C'est qu'il faut trouver le bon moment pour cette capricieuse crucifère. Trop sec, elle flétrit. Plus vieux, la terre se colle à elle. Et en période de gel, elle casse comme du verre. Il n'est pourtant pas question de louper la récolte. C'est d'elle que naîtra la suivante. Ben ça, c'est la racine qui a été plantée l'année dernière, qu'on récolte. Et ça, c'est les racines secondaires. Ces racines secondaires, les plus belles, les plus droites, sont dédiées aux plants. Aujourd'hui, on ne peut pas acheter donc, des plants dans le commerce. C'est uniquement les plants qu'on récupère sur les racines principales pour replanter. D'une année sur l'autre, les plants sont conservés dans la terre, un refuge naturel pour éviter sécheresse et gel. Il faudra encore quelques heures de découpe à la ferme pour obtenir ces petits fagots de plants. Mais ça, c'est une autre étape, une fois la récolte dans les champs terminée. Les Alsaciens ont la réputation d'être travailleurs. La culture du réfort en est une parfaite illustration. Mais peut-être y a-t-il aussi derrière cette dévotion une forme de reconnaissance à la terre, à l'histoire de ce terroir, à ce produit qui peine à passer les Vosges. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on va le goûter, râper. Allez, on va essayer. Déjà, on va la couper parce que ce qui apporte ce piquant, ce fameux piquant, c'est les huiles essentielles qui sont contenues dedans. Donc, moi, je me suis amusé à le faire dans le champ. Les Alsaciens vont rigoler, c'est que couper comme ça, et là, on en pleure vraiment d'émotion. C'est l'émotion, là. On a beaucoup d'émotions. Donc, en fait, vous voyez, c'est tout ce liquide que l'on va trouver qui va donner cette... On sent vraiment la terre, hein. C'est la terre, mais on n'est pas loin de la moutarde. Hein. On n'est pas loin de la moutarde. Alors, il y a une plante très voisine qui s'appelle le wasabi, qui est la copine japonaise. Ouais. On peut dire que c'est un petit peu notre wasabi français. C'est notre wasabi français, et puis on ne va pas l'appeler wasabi, on va l'appeler réfort. Oui, puisque c'est du réfort. Alors vous voyez, moi j'aime éplucher les légumes d'hiver largement parce qu'il y a plusieurs peaux qui se mettent les unes après les autres et cette peau devient âcre si on ne l'enlève pas. Donc il y a deux façons de le consommer, hein.
Alors, moi, je ne sais pas comment les cuisiniers le consomment, et surtout vous, Guy, avec votre finesse d'exécution dans la cuisine, mais moi, je vais le faire à la paysanne. On sait ce qu'on mange. Oui, hein, disons que là, on est... On est bien, là. Alors, on est sur des racines qu'il ne faut pas trop garder non plus, parce qu'elles s'abîment... C'est sévère. On a du... On a du répondant, du répondant. Alors, ce qui est aussi très intéressant, c'est de le râper. Alors, c'est comme ça que vous l'utilisez en cuisine? Oui, c'est comme ça qu'on l'utilise. Mais j'utilise aussi en rondelles, ça va dépendre de la recette. Mais là, je trouve qu'en en le râpant comme ça, on a une homogénéité de tous les saveurs, de tous les goûts. Qu'en rondelles, c'est plus par palier. D'accord. Là, on dit qu'il ne supporte pas la cuisson. Il ne supporte pas la cuisson. C'est vraiment à mettre au dernier moment, dans un jus, dans une sauce, dans une vinaigrette, dans une mayonnaise. Tiens, tenez, vous allez voir la différence, là. On est vraiment sur une autre... Une autre finesse? Ouais, c'est autre chose. On a toute cette saveur qui se développe en bouche... Ça remonte. On dit que la monterne peut montonner, mais là, c'est le réfort. Et là, c'est ça qui est extraordinaire avec ce réfort, c'est qu'en fin de compte, avec vraiment avec parcimonie, on va pouvoir parfumer, apporter du mordant, du piquant, mais en même temps, une certaine rondeur. Une certaine rondeur et vraiment une longueur en bouche qui est vraiment intéressante. Je trouve qu'on a beaucoup de floral. Ah, c'est très, très floral. Râpé par rapport à une tranche où on va croquer. Voilà, c'est vraiment autre chose. Pourtant, c'est le même produit. Alors... Dans les suggestions qu'on peut faire, c'est vraiment de le râper la dernière minute, au moment de l'utilisation, et puis qu'elle va nous apporter sur d'autres notes pour des recettes. On va partir ailleurs sur des idées qu'on n'avait peut-être pas eues. Et grâce au grand chef, Guy, aussi, grâce à vous, parce que si vous n'étiez pas là pour les mettre sur votre table et leur apporter des lettres de noblesse en subtilité, comme on vient de le voir, râper comme ça sur un plat, c'est là où ça prend des lettres de noblesse. Et c'est presque le caviar blanc. À nous de le faire connaître. Oh, caviar blanc, très bonne idée. La journée de récolte, dans le froid et le vent, touche à sa fin. Délesté de la terre, de ses feuilles, le réfort rentre à la ferme. C'est l'heure du tri des racines, enchevêtrées les unes aux autres en un gigantesque bloc. C'est à ce moment-là que Christophe prépare ses petits fagots, sépare les racines secondaires envoyées en Allemagne pour faire des huiles essentielles, et sélectionne enfin les racines principales, destiné à la vente. C'est simple, c'est une culture, le soir, on est plein de terre. Une fois que la palette est pleine, on les charge sur une remorque et puis on le transporte à l'usine. Et voilà. L'usine, c'est Refalsa, la seule entreprise de transformation du réfort en France, créée en 1956 à Mittesheim par une famille d'agriculteurs. Le piquant du réfort s'imprègne ici, dans les moindres recoins, tel un gaz lacrymogène. Avec le temps, l'équipe s'y est habituée. Mais pour un novice, autant dire que le réfort monte au nez. La racine, elle est parfaitement blanche à l'intérieur. Goût aromatique fort et puissante, comme il le faut. Là, on a des bouts de 10 cm à peu près. Donc ensuite, on passe ces petits bouts de racine dans la parmentière qui est ici. Donc c'est une éplucheuse de pommes de terre. Et on récupère le produit qui est lavé, épluché de manière mécanique. On obtient ce résultat-là à la parmentière et on voit que toutes les impuretés ne sont pas encore sorties et qu'il y a ensuite un traitement au couteau de cuisine pour enlever les dernières impuretés. Un couteau de cuisine dans une usine, vous ne rêvez pas. Les 80 tonnes de racines produites chaque année passent entre les mains de Katia. Trempées dans un bain vinaigré, broyées, agrémentées d'huile ou de lait, puis passé à la meule de pierre, voilà enfin notre réfort transformé, prêt à être vendu. Mais face à sa cousine verte, la racine blanche fait pâle figure sur le marché. Le bassin de consommation reste l'Alsace à 80%. Le reste du réfort se vend en région parisienne, un petit peu en Bretagne, un petit peu dans le sud de la France où les Alsaciens sont en manque de réfort. Ça se vend plus facilement à partir du moment où le produit est vert et qui porte le nom wasabi. Même s'il n'y a que du réfort dedans, c'est beaucoup plus apprécié auprès du grand public. Alors que le wasabi est fait avec des racines de réfort puisqu'il n'y a pas assez de racines de wasabi sur le marché. Ça, c'est un wasabi qui vient du Japon, qui est adapté pour le marché européen. Ben, l'ingrédient qui arrive en premier, c'est le réfort.
Alors nous nous servons de cette tendance wasabi qui existe depuis quelques années en France et en Europe comme locomotive du réfort. Donc nous développons de nouvelles recettes et grâce à ces développements de nouveaux produits, nous augmentons les ventes et donc forcément les besoins en racines de réfort. Étrange paradoxe pour ce produit made in France qui se vend mieux sous l'étiquette japonaise. Paradoxe aussi cette augmentation de la demande alors que le nombre de producteurs est passé de 50 à 13 en 20 ans. Détaché par la Chambre d'agriculture, Pierre Geist cherche avec les producteurs un moyen d'alléger la pénibilité de la récolte. Salut Pierre. Comment se passe la récolte ? Oh, ça va, tu sais ? Il s'agit de trouver le bon compromis entre un produit de qualité, un prix intéressant pour l'exploitant aussi, puisqu'il y a quand même beaucoup de main-d'œuvre. Et après, on a un enjeu qui est très fort aussi, c'est renouveler les générations. Actuellement, on a un petit peu de difficulté pour trouver des nouveaux producteurs. Donc, des fois, on a des jeunes producteurs qui s'intéressent à la culture. Donc, ils intègrent la filière, ils font une production pendant une année ou deux années. Et après, ils abandonnent parce que c'est vraiment trop physique. Donc, actuellement, on essaye, c'est vraiment un gros axe de travail, essayer de mécaniser un minimum pour soulager quand même les heures de travail des exploitants et des salariés. La machine reste encore à développer, à dessiner, ouais. À expérimenter, à souder, ouais. Et on verra. En attendant la machine idéale, Christophe peut compter sur ses deux fils, Stéphane et Denis, et pourquoi pas sur la génération suivante. Il a un petit-fils, il a 9 mois, ben, l'année prochaine il s'installe sur le tracteur. Et c'est comme ça qu'on apprend. À partir de 3 ans, on va sur les tracteurs, on va dehors, on marche avec, et on commence à comprendre les cultures, le terrain, les machines. On est fasciné par tout ça, et forcément, plus tard, on voudra faire comme papa. Toujours dit, j'étais un peu en admiration devant mes parents, et toujours voulu faire comme eux, quoi. Maintenant, espérons qu'on va y arriver quand ils seront plus là, que ça sera à nous de gérer tout ça. On verra si on va y arriver comme eux, s'ils nous ont formés correctement. Hé, hey, je suppose qu'on a bien transmis notre savoir. Tant que le père sera sur l'exploitation, on fera du réfort et peut-être qu'un jour, si ça manque de main-d'œuvre ou si on est plus motivé ou autre chose, peut-être on en fera moins. Ou plus du tout, mais c'est pas dans cet esprit qu'on avance. J'espère que les générations futures, nos enfants, reprennent cette tradition locale. Bah, c'est vrai que l'homme n'est que de passage. Il naît et il part, bah, le réfort et la terre restent. Si je suis plus là, ils feront ce qu'ils voudront. Hein. Ça, je le verrai plus. Et ce sera pour tout le monde pareil. Les hommes passent, la terre reste. Aujourd'hui, difficile de dire si la culture du réfort d'Alsace se maintiendra ou si le marché sera un jour totalement submergé par les racines venues des pays de l'Est ou le wasabi importé d'Asie. Mais qui sait, le piquant de la racine blanche pourrait bien un jour passer les Vosges et trouver enfin sa juste place dans les assiettes des Français. Frédéric, je vous ai préparé du saumon qui est légèrement cuit, hein, avec le réfort décliné de différentes façons. Et je vous laisse découvrir la recette. Plus que des mots, c'est la dégustation. Pas vrai, Frédéric ? Ah, merveilleux. Merveilleux. C'est toujours épatant de voir comment les produits sont sublimés. À chaque fois, on amène des beaux produits de brut et ils deviennent magiques. Alors, il est... Ce saumon, le principe, c'est qu'il est vraiment très, très peu cuit. Le saumon et le réfort sur le saumon, comme ça, apportent une subtilité. C'est un véritable assaisonnement qui s'incorpore bien dans la recette. Voilà. Et au fur et à mesure qu'on va déguster cette recette, on a le réfort qui arrive là. Mais il n'est pas puissant, il ne va pas nous brûler les papilles. Au contraire, là, je trouve, voilà, il est présent. Il y a des notes de poivre, de piment, de mordant qui sont là, c'est piquant, mais c'est toutes des petites notes subtiles. On est dans la rondeur, on est dans la finesse. Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors là, il y a des petites tranches de réfort aussi. Tout à fait. C'était de travailler le réfort, ben, en purée, hein, le travailler en fin copeaux,
hein, comme on l'a fait tout à l'heure, râpé, et puis en rondelle. Voilà, c'est plusieurs façons de travailler le réfort. Et dans l'huile qui a servi juste à marquer ce saumon, j'avais mis un petit peu de réfort dedans. Donc c'est la bonne huile d'olive, mais légèrement parfumée au réfort. Ça y est, on va remplacer le pesto, on va remplacer l'ail dans le pesto par du réfort. Ah ben, bien sûr, et pourquoi pas, mais ça marche très très bien. Frédéric, vous savez, en choisissant un produit, un ingrédient, c'est toujours une région qu'on met en valeur, qu'on affectionne particulièrement. Et là, c'est l'Alsace que j'aime et que je voulais mettre à l'honneur en cuisinant cette racine incroyable qu'est le réfort.